Giuseppe Farina, who's driving for Alfa Romeo, took the championship up. Also took three victories, but lost out points after having retired from the other three races he entered. Prends la piste dès que tu es prêt. In 2022, the FIA announced that the cars would now be rolling on 18-inch wheels, far larger. Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Thomas, Hamilton et George Russell. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité.
et les arrêts au stand et la gestion du carburant, pour triompher en qualification sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. Thomas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Norris, Leclerc, Verstappen, Perez, Fernando Alonso, Magnussen, Stroll, Hülkenberg, Bottas, Gasly, Albon, Tsunoda, Ocon, Oscar Piastri, Joe, Sargent et Nick De Vries. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Constater un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS.
nous reste 5 tours de carburant. À peu près 3 tours de carburant. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour.
C'est génial. Nous allons être sur le podium. Belle prestation ce week-end. Tu as assuré. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance, il creuse encore l'écart au sommet du classement. La qualification sprint étant terminée, nous connaissons maintenant l'ordre de la grille de départ. Nous vous retrouvons dès demain pour suivre toute l'intensité de ce Grand Prix. Bienvenue au cœur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du Grand Prix d'Autriche. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Norris, Verstappen, Perez, Fernando Alonso, Stroll, Magnussen, Albon, Bottas, Tsunoda, Hülkenberg, Gasly, Ocon, Sargent, Oscar Piastri, Joe, De Vries et Thomas. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jacques Villeneuve est également de la partie, bien entendu. Nous devrions parler de Williams. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Manœuvre illégale, repasse derrière ou on recevra une pénalité.
Voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité virtuelle. Réduis ta vitesse immédiatement et maintiens ton indicateur delta positif. Quelques infos au sujet de Bottas. Il abandonne la course. Attention, ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention au delta. Il doit rester positif pendant que tu rejoins les autres. Ok, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. Essaye de rattraper un peu le peloton. On est à la traîne. On doit être à moins de 10 longueurs de voiture de la monoplace qui nous devance. Prépare-toi à reprendre la course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'au drapeau vert à la relance. Safety car au centre ce tour. Dans les 10 premiers. Drapeau vert. À le voir, on croirait presque que c'est facile.
Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS. DRS disponible. L'écart avec la voiture qui te précède est de 3,2 secondes. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Compris, bien sûr. Écart avec la voiture qui te précède. 2,7 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Verstappen est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 1,0 secondes. Ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures. Notre retard sur la voiture de tête est de 4,3 secondes. Ta fenêtre de ravitaillement sera ouverte dans 7 tours. 18 tours restants. Les conditions vont continuer à se détériorer pour au moins 10 minutes. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Nous ne sommes plus trop sûrs que tu sois sur les bons pneus. C'est peut-être un bon moment pour venir en changer. Bien, rentre à la fin de ce tour. Ton retard sur la voiture de devant. 1,8 secondes. Ok, suite à ce qui vient de se passer, on va peut-être changer de stratégie de course. J'ai plusieurs choix à te proposer, alors surveille bien ton AMF. Ok, compris. Fais attention, la voiture de sécurité vient d'entrer. Surveille l'indicateur delta. Il doit rester positif si on veut éviter une pénalité. Ralentis, le delta doit rester positif. Certaines équipes optent pour des pneus intermédiaires. Arrête-toi pour changer les tiens en cas de besoin. Charles est au stand.
et c'est reparti. Aucun problème avec cet arrêt. C'était rapide et efficace. L'écurie Ferrari a de quoi être content. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Reprends ta place ou on va recevoir une pénalité. Les dépassements sont interdits quand la voiture de sécurité est de sortie. La voiture de sécurité rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. Empire, fais attention. Retour à la normale.
Jolie manœuvre, bien joué. Satisfait de notre choix de pneus pour le moment. La voiture de derrière, celle du terrain, tu es en train de creuser l'écart. A subi de légers dégâts, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout.
La pluie va se calmer dans les 10-15 prochaines minutes. Tu devrais avoir plus d'adhérence, mais n'espère pas une piste sèche. L'incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. Drapeau jaune. Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est un peu plus loin. Drapeau vert. L'écart avec notre coéquipier est de 16,2 secondes. La situation n'est pas parfaite, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer de pneu à l'heure actuelle. Le drapeau rouge est sorti. Drapeau rouge, ne double personne et reviens au stand, s'il te plaît. Ça va reprendre dans un instant. Reste à l'écoute. Charlie hors course.
Notre avance sur la voiture de derrière est de 3,6 secondes. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Débrouille bien, continue comme ça. On a droit à encore une dizaine de minutes de pluie. 10 minutes. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. D'après vous, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? Eh bien, sa monoplace est parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Quand la voiture offre un bon compromis sur piste mouillée, on a moins de réticence à attaquer. On peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance, il creuse encore l'écart au sommet du classement. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Thomas. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Eh bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit.
On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix.